Forget about the sacrifices. Of course you're tired. They're going to play each other in the first round of the playoffs. Yeah. Oklahoma City and Houston. You're going to see who the real MVP is. Winning was a challenge, but repeating will be too. Because there are teams in our way again. More experienced, more determined, and ready. Gotta push through it. Play like every game is the last game of your life until the next one. Comme vous le savez, on est des grands fans de basket, de NBA. Donc là, on va être sur une nouvelle vidéo, une nouvelle recette. Ça va être les prédictions pour les playoffs 2017. Voilà, donc chaque tour, on va faire une vidéo différente. Et puis on va dire qui gagnera. Et on va aussi donner dès cette vidéo celui qu'on pense être couronné à la fin de ces playoffs 2017. Exactement. Alors, donc, du coup, moi, je vais vous présenter les équipes et Amine va coller les étiquettes. D'ailleurs, vous pouvez remarquer quand même le taf énorme. Donc, on remercie Fat Boys Q. Avec les enfants de l'école Henri Martin. Exactement. Shout out à eux. We give back to the community. Toujours pour la jeunesse, on est avec eux. L'Ouest, Hugo. Premier. Qu'est-ce qu'on a à l'Ouest? Premier tour. Et je sais que tu vas être saucé. Les Warriors de Golden State. Donc on a les Warriors de Golden State qui ont fini premier cette saison avec 67 victoires pour seulement 15 défaites. Ce qui est quand même une très bonne performance. En toute objectivité avec un 15-1 sur les 4 dernières semaines. Et voilà. Le fan est là. Un Stephen Curry qu'on a retrouvé à son meilleur niveau. Et qui est-ce que les Golden State Warriors vont affronter dans ce premier tour, Hugo? Les Trail Blazers de Portland. Voilà, emmenés par Damian Lillard, super chaud. Je crois qu'il a scoré 59 points récemment. Un match incroyable. C'était déjà l'affiche des premiers tours, enfin du premier tour l'année dernière. Ça s'est déterminé par combien? Il me semble que ça s'est terminé par un 4-1. Mais c'était des matchs qui étaient intéressants à voir parce que Damian Lillard. On a aussi CJ McCollum qui est très chaud, donc une ligne arrière assez efficace. Ensuite... Mais bon, il n'y a pas d'intérieur. Voilà. Ouais. Bah il y a le... c'est grec ou le turc Nurić. Ouais, Nurić. Qui si jamais il revient pour les playoffs, ça peut être très très bon. Et donc, du coup, le mec chaud. La réintégration de Kevin Durant à Golden State. Oui, après sa blessure au genou qu'il a eu. Oh, moi je le sens bien. Kevin Durant c'est quelqu'un de très généreux qui se fond dans un collectif et qui du coup fera le taf. Bon, c'est bon pour les Warriors, on a assez parlé des Warriors là. Allez, le prochain bracket à l'Ouest. Los Angeles Clippers. Losers. Donc 51 victoires pour 31 défaites contre le Utah, le Jazz de Utah excusez-moi, qui était à 51 victoires, 31 défaites aussi. Et d'ailleurs, le premier match a déjà eu lieu. Alors on a fait, on fait la vidéo. Exactement. Victoire de Utah. Voilà. Donc encore une fois, les Clippers, est-ce qu'ils vont choke? Chokeland, hein. On se souvient du gros choke contre Houston. Exactement. Ils menaient, il me semble, 3-1 sur la série. Ouais, et ils se sont fait remonter 4-3. Voilà, ils se sont fait remonter 4-3. Ça me rappelle quelque chose. Attends, parce que au quatrième carton du match 7, il me semble, ils menaient de 28 points. Et ce sont les remplaçants de Houston qui ont fait le taf. Donc les Chokers, au bout d'un moment, il faut comprendre qu'à LA, il y a une seule team, c'est les Lakers. Merci. Et
ils vont rencontrer donc le Utah Jazz, ils perdent déjà 1-0, on verra la suite. Ensuite, next, donc c'est les San Antonio Spurs de Greg Popovich. Donc là j'ai pas le bilan, je crois qu'ils sont ils sont deuxième de la NBA, 60 victoires je crois. Ouais, deuxième de la NBA. Ouais, exactement, contre les Grizzlies de Memphis. Ouais, voilà. Donc on a deux équipes qui sont sur du jeu placé, du jeu physique. Deux équipes très défensives. Ouais. Je crois que c'est la deuxième meilleure défense pour les Spurs face à la troisième meilleure défense. Donc ce qu'il faut savoir par contre, c'est que Tony Allen est blessé. Ouais. Et sera sûrement out pour toute cette série. Tony Allen qui est un très grand défenseur. Très grand défenseur, c'est vraiment un homme de l'ombre. Exactement. Mais qui fait le taf. Et puis, Kawhi Leonard pour les Spurs. Voilà, qui est quand incroyable. Même dans la discussion des MVP malgré top tout. Top 3. Top 3 actuellement. Malgré tout, tout à fait. Je pense, top 3. Hein. Ah oui. Après, Harden, Westbrook et Leonard. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo d'ailleurs, le MVP, on en parlera. Ah, faut qu'on en parle. Ça, beaucoup de débats. Voilà, donc du coup, il nous reste le dernier bracket qui va être du coup les Rockets de Houston face au Thunder. Donc là, on a l'affiche. On a l'affiche de ce premier tour, puisque on a MVP. Les deux MVP runner-up, donc les deux qui sont en lice. Exactement. Westbrook et Harden. Et ce qui est fou, c'est que quand même, tous ces mecs-là à la base étaient à OKC. Exactement. Tous très draftés par OKC. Bon, une année en triple-double pour Russell Westbrook. Un record de triple-double. Battu. Le record est battu, exactement. 42 triple-double. Oscar Robertson avait fait 41. Et il était même venu pour lui remettre un trophée spécialement fait pour l'occasion. Pitch où il dit MVP à la fin. Donc on attend tous le trophée pour Russell Westbrook. C'est mérité. C'est après, il y a un débat quand même. Il y a un débat parce que il y a beaucoup plus de wins du côté des Rockets. Et James Harden est quand même sur 21 triple-double, ce qui est quand même énorme. Ouais. Là. Et il perd moins de ballons. Ouais, il perd moins de ballons. Mais il a aussi une meilleure équipe. Ça, c'est vrai. Voilà pour la côte ouest. Donc voilà pour la côte ouest. Nous allons passer tout de suite à la côte est. La côte faible. La côte wack. On commence. Mais à... la côte championne. Sûr de bite. On commence par les Celtics de Boston emmenés par Isaiah Thomas. Exactement. Qui est une très grosse révélation cette année. Un l'homme du quatrième carton quasiment cette année qui a fait des fureurs en fin de match. On les attendait pas à ce niveau là, ils sont premiers de la conférence S dans une conférence où il a quand même actuellement le meilleur joueur du monde. Ce qui est quand même, bah si c'est vrai, disons-le. LeBron James. Ok, donc les Celtics rencontreront, très bonne équipe, Chicago Bulls, emmenés par Jimmy Butler, a.k.a. Mr. Fourth Quarter aussi, hein, je pense. Il est très clutch. Hein. Il est très clutch, très complet. Exactement, c'est un très bon arrière. Il me fait penser un peu à Kobe, ses débuts. Et puis on a l'expérience de Dwayne Wade aussi. Exactement. Et il faut ne pas oublier quand même le talent de Rajon Rondo. Parce que quoi qu'on dise, il peut faire du sale sur une série de playoffs. C'est un mec qui a vraiment la maîtrise du jeu en tant que meneur. Et du coup, ça va être une série qui va être très intéressante à regarder. Ouais. Très intéressante. Ça, c'est tight, je pense. Ouais. Prochain tour, donc, c'est les Wizards de Washington avec l'excellent John Wall et Bill face aux Hawks d'Atlanta qui ont vaincu les Cavs récemment sur un match incroyable. Ah oui, incroyable. Il y avait moins 26 d'écart au début du quatrième quart-temps et les Cavs se sont fait remonter par cette incroyable équipe emmenée par Paul Millsap. C'est parti en overtime et vraiment des retournements de situation et puis en overtime ils se sont fait taper, donc très forte équipe. Deuxième. Moi je pense que les Hawks, gros, ils peuvent faire quelque chose, surtout avec ce bracket là, tu vois, où il y a Chicago, Boston, gros, ça peut faire finale de conf, ça. Ça peut faire finale de conf. Là il faut un roulement de tambour, s'il vous plaît. L'équipe championne en titre, j'ai nommé les Cleveland Cavaliers.
LeBron James, le meilleur joueur de la planète. LeBron James. LeBron James. Kyrie Irving, bitch. Bon, là, ils ont un bilan quand même en deçà de ce qu'ils peuvent faire. Finir deuxième à l'Est avec un tel effectif, je trouve ça assez risible. Surtout sur la fin de saison où on sent qu'ils ont complètement lâché en fait. 4 défaites d'affilée. Exactement. Des remontadas. Ah, la grosse remontada. D'Atlanta. Premier match hier, tight. Le premier match hier, donc contre eux. Contre les Pacers d'Indiana. Et c'était très serré. Ça s'est joué à un point. LeBron qui loupe le shoot à 3 points. Donc le mec a tout, mais n'est pas clutch. Ça, c'est vrai que c'est. Il a tout. Hein. Il sait tout faire. Juste une chose, mettre le dernier panier, il y arrive. Et c'est ce qui fait la différence entre lui, Jordan et Kobe. Exactement. En termes de classe. En termes de clutch. On arrive au dernier match donc, de cette côte Est. Qui donc présente. Donc là c'est un peu vraiment la série, on s'en bat un peu les couilles. Honnêtement, gros, moi je vais pas me lever à 2h du matin pour regarder de la merde comme moi ça. Moi non plus. Okay. Toronto Milwaukee, d'ailleurs, premier match qui a eu lieu cette nuit, énorme Greek Freak. Enfin j'ai envie de dire ce mec là c'est vraiment une graine de champion. Hein. Clairement je pense qu'on a un futur MVP. Dans ce match-là, dans cette série-là, donc à voir, en tout cas je pense que les Bucks vont passer 4-0 sans problème. Très bien, alors nous allons donc passer maintenant aux prédictions. Je te laisse commencer, on va faire série par série. Alors, tu commences, ensuite je dis ma prédiction, Warriors-Portland. Warriors-Portland, bon, si j'aime pas les Warriors, ça va être un petit 4-1, je pense que les Blazers peuvent arracher un match chez eux, mais bon, ça va pas être... D'accord, donc moi je vais effectivement dire les Warriors 4-1. 4-1 aussi ? 4-1, puisque je pense qu'il y aura un match où Damian Lillard va faire un match à peut-être 50 et quelques. Mais le firepower des Golden State Warriors est beaucoup trop grand pour la défense de Portland. Puisque Durant, Klay Thompson, Curry, si tu... Enfin, mais... c'est pas possible. Ouais, tu peux pas. Imagine. Clippers, Jazz. Vas-y. Moi je dirais le Jazz. C'est... Ma petite, on va dire, mise de ce tour. Déjà, ils ont gagné 1-0. Je sens que les Clippers sont vraiment fin de cycle cette année. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Il n'y a plus même l'alchimie. Les gens vont peut-être partir. Blake Griffin, ça parle beaucoup d'OKC ou de Boston. Je pense qu'on arrive à la fin de quelque chose. Et quand tu as bon, Gobert, même si c'est blessé, on va voir ce que ça donne. Il y a quand même Hayward qui est très très chaud. Ils ont une des meilleures défenses de la Ligue. Je crois la première défense en termes de points encaissés. Ouais. Donc c'est une des meilleures manières de gagner contre une équipe flashy comme les Clippers, c'est la défense. Donc je dirais Utah 4-2. 4-2 quand même. Ouais, allez, non, mais j'ai dit que ça c'était la série où je mets. Allez hop. 4-2. Ouais, 4-2. Moi je vois 4-1. Pour le Jazz, voilà, et Wood très très chaud. Je pense que les Clippers, pareil, comme t'as dit, ils sont en fin de cycle. Le coach, là, Doc Rivers, il faut vraiment qu'il quitte son poste maintenant, c'est fini. Comme t'as dit, il n'y a qu'une équipe à Los Angeles. C'est les Lakers. Donc, ensuite. Ah, ah putain là. Houston Rockets contre les Oklahoma City Thunder. Alors je vais y aller. Ouais. Allez, bon, je vais quand même dire les Rockets, puisqu'au final on a quand même une équipe qui est beaucoup plus complète. On a une équipe qui a plus d'expérience. Et on a surtout un Mike D'Antoni qui a réussi un peu à renouveler sa manière de coacher. Parce que le pari de mettre James Harden en meneur de jeu, tout le monde ne pensait pas que ça allait marcher au début de la saison. Et au final on se rend compte que bah, c'est un des meilleurs meneurs de la ligue actuellement. Ah ouais, c'est vrai, je suis donc je dis les Rockets en 4-2 quand même, puisque deux, OKC prendra deux matchs avec un Westbrook en mode MVP. Westbrook en mode MVP. Ouais, moi je vois bien, ouais, 4-2 en vrai, c'est normal. Déjà, la saison régulière, ils ont mangé des moins 20, les Thunder hein, contre les Rockets. Donc ouais, c'est prévisible. Après, j'ai envie de dire la folie Westbrook peut vraiment faire quelque chose, tu vois. Il y a vraiment une effervescence autour de joueurs en ce moment et ça peut rentrer dans la tête des Rockets, hein. Donc Belek 4-2 Rockets, mais un petit edge quand même côté Thunder. C'est la série où il faut se lever à 3h du matin. Exactement. Alors là, levez-vous les gars, même si elle taffe le lendemain, faut se lever quand même, on assume derrière. Voilà. Dernière série de cette côte Ouest, Memphis contre les Spurs. Je te laisse commencer. 4-0.
4-0, qu'est-ce que tu veux dire, frère? Les Spurs, ils sont trop chauds. On sait très bien qu'en saison régulière, c'est tranquille. Et quand ils montent en playoff, là, ça monte en régime. Greg Popovich. Popovich est un génie du coaching. Donc là, il n'y a même pas de. Ça va pas faire de fioriture. 4-0, Kawhi Leonard en puissance. Ouais, bah je dis la même chose. Les Spurs, c'est quand même la némésis de Memphis. Ouais. Quand tu regardes sur les dernières années, c'est vraiment l'équipe sur laquelle Memphis n'arrive pas à imposer son jeu. Et en plus, Tony Allen est out. Donc là, je vois pas d'autres joueurs mettre en difficulté un mec comme Kawhi Leonard. Pau Gasol, Aldridge, ça reste quand même assez bon à l'intérieur. Donc 4-0 plus le coaching de Popovich, ouais. Les mecs sont en mode sérieux. 4-0. Voilà. Ok. On se travole. Donc on passe sur la conférence S, la Eastern Conference. Donc on a la East Coast et le Midwest. Alors, Boston, Chicago Bulls. Boston, Chicago Bulls, je vais mettre Chicago Bulls 4-2. Je crois en l'expérience de Dwayne Wade. Donc dans les playoffs, je pense qu'ils ont un léger avantage par rapport à ça. Boston est encore une équipe trop jeune, mais il y a du potentiel. Il y a vraiment du potentiel. On a parlé de Isaiah Thomas. Donc ils font leur gamme encore, mais je vois quand même Chicago un peu plus mature dans le jeu. D'accord. Moi je vois Chicago sur un 4-3. 4-3. Ouais, sur un 4-3, je pense que c'est une aussi série serré, qui va aller serrer parce que on a quand même, comme tu as dit, la maturité, l'expérience du côté des Bulls avec Dwayne Wade, Rondo, mais on a aussi quand même la meilleure équipe à l'Est de saison régulière, quand même, tout de même, tu vois. 4-3 pour les Bulls. Et que les Bulls vont gagner grâce à l'expérience. Et si Dwayne Wade revient bien, parce qu'il était blessé pour les playoffs, je sens le mec terminer le game parce que c'est quelqu'un qui se chie pas dessus, Dwayne Wade. Non. Ça, c'est vraiment c'est quelqu'un de clutch. Et clutch. Voilà. Ensuite, Washington, Atlanta, Hawks. Bah, moi je vois 4-3 pour les Hawks. J'ai dit Paul Millsap, ça va être une grosse année pour lui. Je pense qu'il a vraiment des choses maintenant à prouver. Enfin, il a rien à prouver, mais en fait, il doit vraiment step up. Et je sens que c'est son année. Donc, moi j'ai dit finale de conf les Hawks. Ok. Moi je dis 4-2 pour Washington. Parce que ça reste quand même une meilleure équipe sur le papier, emmenée par un John Wall qui a fait une très bonne saison dans l'ombre des Harden, des Westbrook, des Isaiah Thomas, mais il a une régularité de ouf. Il y a une équipe qui est assez complète, qui défend bien et qui est pour moi plus talentueuse tout simplement. Là c'est vraiment, on va dire, objectif. Hein. Ça va être super tight. Mais ça va quand même être des matchs qui sont serrés. Donc malgré un 4-2, on aura quand même des matchs serrés. Toronto-Milwaukee. Milwaukee-Toronto, je vois Milwaukee 4-1, même 4-2, ouais, 4-2 quand même. Giannis, vous êtes pas prêt, il est trop potentiel. On l'a vu encore cette nuit, il fait un triple-double. Du coup, Giannis, il a 28 points, 8 rebonds, 3 passes. Hein. C'est pas triple-double, mais c'est quand même super fort. Ah, pour un big man, ouais. Et Greg Monroe, 14 points et 15 rebonds. Et j'ai dit 4-2. 4-2, ok, bah moi ce sera pareil, un 4-2 pour les Bucks. Toronto, malheureusement, sûrement peut-être un début de fin de cycle. Ouais. Eux qui devaient être les nouveaux ténors de cette conférence Est. Mais au final, on voit que DeRozan... Enfin, tout ça n'explose pas, en fait. Ouais, ça prend pas. Ça ne prend pas, ça va pas au bout. C'est comme les Clippers. Pacers-Cavs. 4-1 pour les Cavs. Si les Pacers avaient pris le match d'hier... Ah, ça aurait changé la donne. J'aurais peut-être... sorti mes couilles et dit 4-3 pour les Pacers. Ouah, calme-toi, bravo. Parce que les Cavs, je les sens vraiment de ça. Mais bon, ils ont perdu. Le match hier, c'était le match à pas perdre. Et ils vont s'en mordre les doigts, je pense. Malgré un Stevenson qui a mis quand même 16 points. Hein. Ouais, et surtout en fin de 4 ans, il était chaud. Ouais, on connaît son historique avec LeBron. Mais un 4-1 avec, je pense, des matchs serrés. Je pense quand même que les Cavs il essaie beaucoup d'énergie. Ouais. Plus d'énergie qu'on l'aurait pensé. Plus d'énergie que l'année dernière. Ouais. Ah oui. Je pense que je suis d'accord avec toi. Je pense que les Cavs sont un petit peu fatigués aussi de leur saison. Ils ont bien lâché en fin de saison régulière. Et c'est vrai que là, le match d'hier, on a vu que c'était vraiment trop serré pour que ce soit un premier tour. Quoi. Normalement, il y a une puissance. Mais bon, après, j'ai jamais senti les Cavs en danger non plus. Tu vois, à aucun moment, je me suis dit ils peuvent perdre le match. Tout en contrôle, mais ils se sont fait une petite frayeur à la fin. Donc je vais mettre 4-1 ouais, pour les Cavs aussi.
parce que bon, ça va être easy au final. Donc c'était tout pour cette prédiction de premier tour. On espère que vous avez aimé ce nouveau concept de vidéo sur notre chaîne. Dites-nous, vous, vos prédictions. Évidemment, gros shout-out à la NBA pour avoir financé ce panneau. Les choses marchent pour cette chaîne, comme vous pouvez le voir. L'argent rentre. Beaucoup d'argent rentre. D'ailleurs, maintenant, on boit de la Volvic. Voilà. Vous pouvez le voir. Avec un zeste de citron. C'est plus la marque repère, c'est Volvic. Donc, dites-nous vos prédictions dans les commentaires, ce que vous avez pensé de la vidéo. Partagez, faites tourner ça à tous ceux qui aiment le basket. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace, les Warriors seront champions. Les Cavs. We out!